Un exemple d'enchaînement d'action-réaction avant-arrière sur une tentative de bras à la volée suivie d'un crochet intérieur. Pour réaliser cet enchaînement, le lutteur vient d'abord réaliser une forte traction vers lui afin de faire croire à son adversaire qu'il va enclencher une forme de bras à la volée. En réalité, son intention est de déclencher une réaction inverse de l'adversaire vers l'arrière afin de pouvoir par la suite s'approcher de lui et enclencher une forme d'attaque arrière, le crochet de jambe intérieure. Ce type d'enchaînement permet également d'enchaîner deux attaques à des hauteurs différentes sur l'adversaire, d'abord sur le haut du corps au niveau des appuis d'interposition haut, et ensuite sur le bas du corps avec le crochet de jambe sur un appui pédestre.